Eh bien, salut tout le monde, c'est Boussom qui est venu nous retrouver pour la vidéo découverte de Borderlands. Et on va faire solo, on va faire une nouvelle partie. Ramassez quand même les objets dont vous ne vous suivez pas pour les revendre. Bon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais bien. Et aujourd'hui, j'en profite un peu que qu'il n'y ait personne pour vous faire une petite vidéo tranquille comme ça. Donc j'espère que ça vous plaira. Vous aimez les histoires, hein? Donc, je vais vous laisser écouter, hein. Désolé si vous entendez deux fois la même chose. J'espère que vous n'entendrez pas. J'en ai une incroyable. Pandore, c'est chez nous. Une planète pas très conviviale. Pas un endroit pour l'amour et la paix. On dit que c'est un désert, que c'est dangereux, qu'il faudrait être fou pour venir chercher fortune ici. Alors ça fait de moi un fou. Mais ne vous laissez pas aveugler par l'apparence de Pandore. Il y a la légende, tout le monde la connaît, la légende de l'Arche. Mon père a toujours parlé de l'Arche, jusqu'à son dernier souffle. La légende de l'Arche est un conte envoûtant. Technologie extraterrestre futuriste, richesse, célébrité, puissance et femme. Facile de comprendre pourquoi les gosses qu'on gave de ces histoires deviennent des chasseurs de l'Arche. Eh bien, voilà mon histoire incroyable. Mais je vous garantis qu'elle est vraie. L'Arche existe et elle est ici, sur Pandore. Pandore. Et un, disons, ange gardien est apparu pour guider les chasseurs de l'Arche jusqu'à leur Graal. L'histoire commence ici, sur Pandore, avec d'audacieux chasseurs de l'Arche. L'ange gardien est le plus important, moi. Moi ou toi? Mal entendu. Enfin bref, oui, donc vu qu'il y a Borderlands 2 qui va bientôt sortir, on a la chance d'avoir accès à, au jeu complet, hein, de Borderlands, et je vais vous faire une petite vidéo dessus. Donc ça va être une vidéo découverte parce que je connais pas le jeu, hein. J'ai déjà vu des vidéos dessus, j'ai rêvé d'y jouer, enfin pas rêvé, mais oh le monstre, j'avais envie d'y jouer, et c'est et voilà, c'est un bon jeu fait par 2K Games. Ah, j'adore ce moment là, ça va être épique. Je vais vous laisser écouter. Le Gearbox of War Game. Donc c'est des, ça fait un peu dessin animé. On se réveille derrière. Il fait un temps magnifique. Le monde vous appartient. Moi je choisirai lequel. Non, lui il est nul. Mordecai. Ah, je choisirai meuf peut-être. Au costaud, lui. Roland, le soldat. Et monsieur muscle. Mike. Ah, c'est mieux. Borderlands. Un bon jeu, je vous le conseille. Rassemblez vos affaires. Qui descend du bus? Je crois qu'on va choisir la personne. Toi là-bas, avec alors, la fusil de précision et le masque bizarre. On dirait un catcheur truxicain qui fait des hors sup en dominatrice SM. Et toi, soldat? Ne t'inquiète pas. Je veux que tu gardes ton calme. Ne dis à personne que tu entends ma voix. Commence à descendre du bus. Tu n'as aucune raison de me faire confiance, mais je suis là pour te guider, pour t'aider à trouver l'Arche. Tu dois y croire. Dans un instant, tu vas être accueilli par un étrange petit robot. Fais tout ce qu'il te dira. Tu comprendras ce que je veux dire quand tu le verras. Je te recontacterai très vite. Bon, on est arrivé. Allez, au revoir. Non, à bientôt. Je suis sûr qu'on remettra ça dans pas longtemps. Ouais, ouais. Tu seras peut-être mort. Descends de mon bus. Descends de mon bus. J'ai peur de te voir.
Donc c'est parti pour la découverte de ce jeu, donc ça va être la première fois que j'y joue. Hein. Il me reste 5 heures, donc je vais me consacrer 30 minutes, hein. Ça fait... Je sais pas combien de temps. Vous pouvez débloquer les compétences d'action de votre personnage. J'espère qu'il ne va pas me gêner parce qu'il y a un invité chez moi. Et je suis parti pour faire mon test. Parce qu'il fallait que j'en fasse un. Autant profiter. J'entends quelqu'un. Tant pis. Ok. Un infographisme. Je n'en parle pas. Ah oui, viens vers moi. Je suis CL4P2P, mais vous pouvez m'appeler par le nom qu'on me donne dans cette zone, Claptrap. Avant toute chose, veuillez accepter ce système de communication écho, doté d'un affichage tête haute, qui vous est fourni gratuitement par la société DAL. Début de la séance d'initialisation. Santé. Affichage des armes. Module de points où je me situe. Parfait. Mes capteurs indiquent que votre système écho est 100%. Par ici, s'il vous plaît. Ok. On peut courir. Bon, c'est juste pas mal. Ouais, recharge. Coup de crosse. Non, on peut pas. Niveau graphisme, hein, je suis désolé. Hein. Je suis pas à fond. Il est là. Ouais, il veut que j'y là. Montez dessus. Ceci est la station New U. Lorsque vous utilisez cet appareil, votre profil ADN est automatiquement effectué et envoyé. Ah, je peux pas faire mieux. Veuillez activer la station. Je sais pas rien ce qu'il dit. Parce que mes trucs sont cassés, là mon casque, mes deux casques sont cassés. Un où j'entends pas et un où le casque est complètement pété mais j'entends d'un seul truc. Ouais bon bah on fera avec hein. Excellent. En enregistrant. Ouais, c'est pas grave. On fait le plus rapide possible. Si un accident malheureux devait survenir, vous seriez cloné vers la station la plus proche. Maintenant, dirigeons-nous vers la paisible ville. Bon, enfin, donc j'aimerais bien faire la phase 2 de tir quand même, pour voir ce que ça donne. Attendez, est-ce que... Oh, encore ? Courez ! Et je fais comment pour le tuer ? Ouais bon. Ça me semble pas trop la solution, c'est pas ça. Ah ouais, donc vous entendrez la voix du mec mais moi je l'entendrai pas parce que j'entends rien. Et c'est ouvert. J'ai mis les sous-titres. Ah, le boulot, si c'est pas le truc. J'irai pour les sourire. Hein. Ah, par contre, c'est galère. Hein. Ouais. Hop, on va le défoncer. Hop, on va le défoncer. Donc, on entend la meuf. Ah! Du style, ah, je me suis en train de me prendre des coups. Ouf. Bâton. Hop, on continue. Essayer de récupérer les trucs aux alentours. On continue. J'essaie quand même de faire pas mal de temps. On va y quoi. Un coup de main.
Je veux vraiment que j'aille chercher le portail. Allez, ouvre. Elle est en train de me défoncer. Hein. À court de munitions. À court de munitions. Il doit en avoir là-bas. Attends. Si je les ramasse pas, ça le fait pas aussi. Il y en a là. Ah, la thune aussi, faut en prendre. Parce que si on en prend pas. C'est vrai que c'est pratique. Hop, on prend la thune, on se dépêche, mais histoire de vous faire un petit gameplay. Hop, on le tue. Youpi, formidable, il est content et je récupère sa thune. Chargeur, chargeur. Vous devrez ouvrir ce display de stock devant une arme. Ouais. Appuyez sur mal. Bien, ouvrons cette porte. Swag. Pistolet si fou. Ces commandes semblent endommagées. Hop là, il y a une mallette là. Prendre la plume. Je pense que je referai peut-être une vidéo dessus. Histoire de voir. Puisque le jeu, je l'ai pas. Le jeu c'est voilà, il y a Borderlands 2 qui va sortir d'ailleurs. J'ai vraiment envie de le tester. Le 1 me paraît pas mal, donc désolé quand même pour la qualité. Hein. Ah bah d'accord. Parce que moi ma qualité j'ai mal fait le jeu alors. Ah mais sinon il y en a combien? Je vais juste me faire tuer si j'y arrive pas. On va pas me faire tuer, attends, c'est le booster là. Je suis bloqué par une chaise quand même. Je suis vraiment excellent. Ah, moi, c'est moi qui est excellent. Hop, je prends ça. Je l'ai pris. Après, il y aura les bêtes là. Prends ça. Vas-y, je pisto. Hop, on les défonce. Oh là, il lag. Oh, niveau sup. Je les ai juste défoncé, c'était un massacre. Oui, patientez, vous avez donné mon niveau, j'ai le message niveau super, votre réserve santé, j'ai été vous en avez ou autre. Ok. Je te recontacterai. Ok, on récupère les munes. Ça, c'est une grenade. Qu'une, qu'une. Donc là, il va y avoir un vieux monsieur qui va nous parler. Aucune raison de s'inquiéter. Je vais m'occuper de ça. A résolu le problème. Faut que je récupère un truc en plus. Ah, ça va être chiant. Fumier de bandit, toujours sur notre. Fumier de bandit, notre dos, j'ai une barrière, je vais vous faire entrer. Faire entrer la lumière, c'est ça. Merde, ces circuits pourris sont encore en panne. Essayez l'interrupteur de votre côté pour voir. Alors, le docteur est venu. Ouvrez le bâtiment 3 de Firestone et retrouvez le docteur Z. Bâtiment 3, c'est pas celui-là. Ah, ça j'aime bien. J'espère. Oh là. Connaissez votre boussole et votre repère de navigateur. Il indique les directions à suivre pour atteindre vos prochains objectifs. Ok. Bon. Je crois que c'est là. Voilà. On a ce fameux personnage. Qui est pas. Z. Ah, ça doit être un docteur, enfin.
Merci de l'avoir ouverte. De rien. Je m'appelle Zed. J'ai vidé toute tête. On me laisse plus charcuter les gens parce qu'on m'a retiré ma licence. Mais je suis chargé d'entretenir les bornes médicales. Attends, dans ces bornes, belle vous pouvez acheter tout le matériel de soins qu'un vrai docteur vous prescrirait. Et ça vous évitera les sermons du genre. Cette arche est une légende, vous allez vous faire tuer. J'ai peut-être pas mon diplôme de docteur, mais quand vous savez ça, vous serez bien content de m'avoir. Ok, faut que je tue des Zaks. Donc les Zaks, c'était la petite bête qu'on a vue dès le départ. Je suis ici. Je crois que ça va. Maintenant que ceci est fait, veuillez me suivre, je vais vous ouvrir la porte. Ouais, donc je connais à peu près parce que j'avais suivi un let's play de quelqu'un il y a longtemps sur Borderlands et je m'en souviens que c'est là-bas et qu'on va devoir tuer des petites bêtes. Donc je pense bientôt m'arrêter, peut-être vous refaire une vidéo. D'accord, si je veux pas près de lui, mais disons. Il s'est fait défoncer. Il y en a d'autres, non? Oh, c'est bon, hein. Comment tu gueules là? Mon dieu. Attends, c'est bon, je vais fumer. Voilà, c'est bon. On dirait que vous vous êtes mis une fortaille à dos. Mais vous inquiétez pas. Il finira par avoir ce qu'il mérite. Tu as réussi. Je savais que tu étais le bon. Oh, ce pauvre robot a besoin de toi. Tu veux bien lui prêter assistance? Ce petit robot est blessé. Sans réparation d'urgence, il n'en a plus pour longtemps. N'y a-t-il pas près de toi quelque chose qui puisse le remettre en état? Près de moi, c'est là-bas. Ok. Ça doit être ça. Hop, hop, hop. Kit de réparation pour robot. Ouais, j'ai réussi. Sauvé, donc je pense acheter Borderlands 2 et Borderlands 3. Bah, je verrai bien. Il a l'air d'aller bien. Il est temps de te mettre en route, d'entreprendre le voyage lequel tu as fini. Et donc, je sais pas, je pense pas vous faire un display puisqu'il reste 5 heures de jeu. Le jeu est à 26 euros et là il y a une promotion donc il est à 7 euros. Et donc, c'est pas cher. Enfin, ah ça c'est chiant, si vous voulez voir ils vont venir à vous. Hop là. Donc hop. J'ai pas peur de ça moi. C'est du gâteau. Ils sont où? Ouh. Oh, je les ai fumés. Voilà, c'est bon. Allez, à la revoyure. Alors, ailleurs, c'est pas dire je m'en vais ou. Ah, si. Faut que je retourne là-bas, puis après, je pense que on se quittera. Donc, je sais pas si je vais faire un let's play rapide dessus, parce que 5 heures de jeu, c'est pas rapide là, c'est pour faire un petit test. N'hésitez pas à demander si vous voulez quelque chose. Ok, bon. Bon. On a fait le tour, je crois. Hé oh, par ici. Non, faut que je le trouve, le truc. Il est où? Taper enfoncé. Ah, c'est par là. Ouais, c'est par là. Heureusement, je connais bien, comme ça, je peux vous faire un petit effet, mais j'espère que ça vous plaira. Y'a rien d'autre? Non, y'a rien d'autre. Prendre un discret appareil, vous y acheter. Magie pour passer pour des bon, ça, je connais. Ouais, bon, c'est simple.
J'espère que ça vous plaira des pièces russes comme ça. J'en ferai d'autres hein, sur d'autres jeux. J'essaierai de prendre des démos des fois. Ou s'il y a des occasions, hein, peut-être des jeux. Je testerai. Donc je parle pas trop fort, je sais. Mais bon, c'est pas grave. Non, c'est pas fini. C'est pas exploré. Y a rien d'autre à faire pour le moment. Pas si. Bouge. Merde, je bugue. Il y a une lettre. Ouais, bande médicale. Elle est pas là, la bande médicale. Elle est là. Qu'est-ce qui vous amène? Je crois que ça va comme ça. Merde. Je vais vous aller. Donc là, si je bugue, ça peut faire bande médicale réparée. Non, c'est à l'intérieur, j'en suis sûr. Ça, c'est sa maison. Il vous faut quoi? Dites-le-moi. C'est ça? Je crois que ça va comme ça. Ah, c'est là. Voilà, maintenant, faut que je m'achète un bouclier. Je suis censé m'occuper de l'entretien de ce matériel médical. Hein? Merde, je ne serais pas fail. Appelez-moi Z, comme tout le monde. Non. Je veux le bouclier, pauvre con. Ne me dis pas que... Je m'en fous, j'ai un bouclier, mec. Ah merci voilà, beaucoup. Et là on est utiliser la machine pour vendre les trucs. Je vais aller voir le petit monstre. Donc vous avez plus besoin. Et je pense qu'on se mettra là. Parce que c'est un petit moment que je fais un test. Au rapport. Ah oui, c'est autant pour moi. Donc faut que j'aille le voir pour. Qu'est-ce qui vous amène? Je suis censé m'occuper de l'entretien de oui. Succès, super. Tuez les bandits et retournez voir le docteur Z. Encore des bandits? Merde alors. Donc le début, est, on verra si vous achetez le jeu. Je vous conseille, hein, c'est un très très bon jeu. Hein, mais bon. À force, c'est un peu chiant. Avec 9 orteils serait un bon début. Bon bah écoute, je vais tuer les machins et y retourner. Ils n'arrivent pas par là? Ah oui, oh, ça je me souviens. Quoi, essayer d'éviter les bandits, les monstres. Et on va aller tuer les bandits. Putain, t'es sérieux? Putain. Attends, il y a des bébés machin là. Ça peut le faire. Putain, ta merde. Dégage. Faut que je recharge. J'ai fait du bruit, tu vois. Arrête de bouger. Voilà, swag. Il y en a deux là. Je suis pas beaucoup de dégâts. Je vais passer par là. Message. Ah, ah. Ah, j'ai du mal à viser. Donc autant pour moi, parce qu'ils sont plutôt pas mal. Ah, je savais pas qu'on pouvait faire ça. En une tête, on peut les avoir. Oh là, il y a du bruit. Donc après ça, on se quittera. Faire une tête. Oh, il a disparu. Ah bah voilà. On va se quitter, je pense. On va se laisser là. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vais devoir y aller. Je pense faire peut-être la suite tout à l'heure. Je sais pas, je verrai. Mais on va se quitter à cet endroit-là.
Et moi je continuerai peut-être le jeu, hein, mais je vous conseille ce jeu, c'est un bon petit jeu. Et je vais vous dire ciao, bye.